Et un beau jour, ben, on découvrira tout ce que je dis pour les anguilles. Regardez pourquoi les anguilles, je disais, ils vont là-bas dans la mer des Sargasses pour pondre des œufs. Mais les savants n'ont jamais découvert pourquoi. Et voilà, j'ai fait une conférence et j'ai dit, voilà pour quelles raisons ils vont là-bas. Voilà, et la découverte de l'Atlantis. C'était l'Atlantis là-bas. Ils étaient habitués. Et maintenant, il n'y a plus. Mais ils continuent les pouvoir pondre des œufs là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, et des années après, il y avait un professeur autrichien qui a dit exactement les mêmes choses que moi j'ai révélées au sujet des anguilles. Il avait lu ma conférence, mais il n'a pas voulu dire exactement comment il revenait dans le pays et à quel mois et quel doigt. Exactement. Comme si c'était lui qui a découvert. Et après, on m'a envoyé un petit livre de la science là-bas. Comment ça s'est passé, hein? Un petit livre où on révélait exactement la même chose sur les anguilles de ce que j'avais moi écrit et dit dans la. Ils n'ont jamais dit d'où ça venait. Donc, des années après, ils ont approuvé ce que j'avais raconté au sujet des anguilles. Ainsi de suite, pour beaucoup de choses. Même pour les soucoupes volantes qui viennent, on ne sait pas d'où. Eh bien, ils découvriront qu'ils viennent du centre de la Terre à travers les pôles nord et sud. Ah. Et que ce sont des hommes qui ont vécu, qui ont appris, qui nous ont dépassés. Et maintenant, ils viennent de là, ils sont inquiets pour voir qu'on va démolir toute la Terre avec la bombe atomique. Et ça. Et alors, ils sont inquiets, ils se réveillent. Et ils vont découvrir ça aussi. Ils viennent des espaces infinis. Ils ne sont pas tellement bêtes, les gens, de faire un voyage tellement loin pour rien, de voir des terriens stupides, idiotes. Non, ils sont plus intelligents que ça.